Chers amis internautes, bonjour. Alors en ce dimanche, pour ce dimanche 11 septembre, pour nos pronos, on retrouve notre ami Cédric Pontet. Cédric Pontet, fort bien connu sur les terrains de première division l'an passé, et cette année, eh ben, il sera certainement connu sur les terrains d'excellence. Hein. Toujours à la touche. Ah non, il n'y a plus de touche. Il n'y a plus de touche. C'est des pros maintenant. C'est les pros. On va faire les pros maintenant. Alors, qu'est-ce que tu fais, cher Cédric? Tes conseils? Les conseils, j'encourage les joueurs. Je suis avec Jackie sur le point de touche. Donc voilà. Tu n'es pas président d'un club de supporters, Brel? Vous n'avez pas encore fait un club de supporters? Mais si. Si, il y a un club de supporters. Mais si, ça fait longtemps qu'il y a un club de supporters, Brel. Bon, alors, il faut vous faire connaître. Ouais, mais il est connu. Pour faire adhérer nos internautes. Allez, donc des messages avant de commencer, un message, tu sais qu'on est regardé de très loin maintenant, enfin maintenant toujours, mais toujours. Là on le sait puisqu'il y a des internautes qui nous écrivent, notamment Yannick, alors oui, petit conseil Yannick comme à tous les internautes, quand tu joues au prono, un seul jeu, sinon hop, éliminé, voilà, c'est la règle. C'est la règle. C'est la règle, alors, c'est pour tout le monde. Alors sinon aussi, Ravenel, vous nous écrivez les amis de Ravenel, on ne vous a pas oublié, mais maintenant le fait que vous ne soyez plus dans un groupe avec d'autres équipes du coin, mais on pense à vous et on vous mettra au prono, on ira vous voir dans la saison. Hein. Ok, alors on débute tout de suite par la DH, que tu connais bien, aussi bien que le district. Bien sûr, hein, voilà. Breteuil. Alors Breteuil qui reçoit Compiègne dimanche prochain. Alors, qu'est-ce que t'en penses, mon cher Cédric? Breteuil, c'est un match, deux matchs, une victoire et puis une défaite. Oui. Une défaite logique contre Saint-Quentin. Oui, parce que, à Saint-Quentin. N'oublions pas qu'ils ont une mi-temps. Voilà. Après, c'est vrai qu'ils se sont écroulés en deuxième mi-temps, c'est bien dommage pour eux. Après, qu'ils reçoivent Compiègne, qui a perdu ses deux matchs. Ah. Non, moi, je pense que Breteuil va saisir sa chance et puis repartir de plus belle et puis assurer les 4 points chez eux. C'est indispensable de gagner à ce moment-là du championnat. Oui, parce que s'ils perdent encore une deuxième fois consécutive, ça peut enchaîner une spirale. Surtout contre Compiègne. Surtout contre Compiègne, qui n'est pas très à l'aise en ce moment. Voilà, qui n'est pas très en forme. Ouais. Et si Breteuil ne bat pas Compiègne là, ça ferait comme 2 défaites consécutives. Et ça mettrait une petite spirale, un petit doute dans les joueurs. Mais je pense que justement là, c'est une équipe... C'est le moment pour Breteuil de bien repartir. Alors pour toi, c'est Breteuil. Pour moi, c'est Breteuil. Alors, la PH, Clermont que tu connais certainement. Oui. Clermont, tu as vu le résultat dimanche dernier. Qu'on perd de 5-2. Ouais. Ça t'a étonné? Un petit peu. Tu t'as, bien sûr, comme tout un chacun qui connaît un peu le ballon, tu pensais pas que Clermont allait gagner là-bas la Corrèze. Mais en revenir avec une défaite de 5-2, ça paraît gros. Même moi, je pensais qu'ils allaient ramener au moins deux points. Deux points, nul. Le nul, mais dommage pour eux. Après, c'est vrai que 5-2... On va pas s'alarmer. Non, c'est que le début de saison. Mais on pourrait s'alarmer, mon cher Cédric, si dimanche prochain... Clermont perdait chez lui contre Vervins. Voilà. Là. On pourrait déjà tirer le signal d'alarme. Oh oui. Alors, est-ce que tu penses que Clermont, justement, dimanche prochain, va se rassurer en disant « on est les maîtres chez nous et on entame ce championnat de PH ». On rappelle quand même que Clermont descend. Hein. Oui, bien sûr. A priori, une équipe qui descend, qui garde la même ossature. Qui devrait jouer les premiers rôles cette année. Voilà. Je ne te fais pas dire. Voilà. Donc, pour toi, tu vois quoi ce dimanche prochain? Je mettrai Clermont, mais... Vervins a perdu aussi sa première... C'est pour ça. Je pense Clermont aussi, mais de toute façon, Clermont, il faut qu'il se ressaisisse. Hein, parce que, comme tu disais à l'instant, s'ils repèrent encore une fois, là, c'est... La saison, elle va être... Même le début de saison, là, jusqu'à la trêve, ça va être... Ça va être long, hein. Ça va être dur, hein. Ça va être dur, parce que... Puis là, après, ça gamberge, on sait comment ça gamberge. Surtout que l'année dernière, ils descendent. Donc, s'ils entament mal la nouvelle saison, les joueurs, ils vont se taire dans sa tête, on va revivre la saison l'année dernière. Voilà, donc, le meilleur façon, le meilleur remède, c'est la victoire. Voilà. Il faut que Clermont batte Vervins ce dimanche. Ce dimanche ou ce samedi, parce qu'on ne sait pas encore si ça jouera samedi soir. D'accord. On verra bien. Allez, PH toujours Grand Frénois, dis donc Grand Frénois. Belle victoire, 4-0 à Lens. Ouais. Étonnement. J'étais étonné. Ouais. Je pensais pas qu'ils allaient gagner 4-0. Bon, c'est bien. Pareil, c'est le début de championnat. Oui.
les autres en face sont peut-être pas au point. Voilà, les grands frénois avaient peut-être bien une bonne préparation. Ça, c'est important. On n'arrête pas de le dire. C'est important. Alors, quand je vois qu'il y a des clubs qui commençaient à s'entraîner le 15 août, quand il y a des joueurs qui sont. Quand il y a des équipes où il y a 4 joueurs qui sont revenus de vacances l'avant-veille. Non. Ouh, léger, léger. Hein. Ouais, c'est léger, et non, et je pense que du côté de grands frénois avec notre ami Pic, Cyril, il a dû entamer sa préparation vers le 10 juillet. Ah oui, donc il a bien six fait. Six semaines de préparation. Bah, mais sachant que tout le monde n'est pas là, mais bon. Oui, mais au moins, il peut déjà travailler, faire des. Prendre bien le groupe en main. Oui. Voilà, et c'est vraiment important, et apparemment, ça porte ses fruits. Voilà. Donc, alors, dimanche prochain, c'est reçoit Saint-Va. Saint-Va, qui est une belle victoire en Lyon. On s'en souvient, si le nom n'a pas changé par rapport à la dernière, c'était une équipe qui avait eu des difficultés, mais quand même, elle a gagné 3-0 pour le premier match. Bah, c'est aussi deux équipes qui ont la même configuration dès ce premier match, voilà. Et qui se rencontrent dimanche prochain. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Moi, je vois Grand Frénois. Tu vois Grand Frénois ? Ouais, Grand Frénois. Mettre chez eux ? Mettre chez eux, ils vont confirmer leur belle victoire à Lyon, donc non, je vois bien Grand Frénois gagner. Voilà. Alors, si Saint-Va est allé gagner quand même 3-0 à Lyon, c'est qu'ils ont des atouts. Oui, ils ont des atouts, mais Grand Frénois a beaucoup d'atouts aussi. Et en plus, quand on joue chez nous, on sait très bien qu'il y a le soutien du public. On a la maison, donc on doit faire plus d'efforts. On doit se montrer maître chez soi. Voilà. Hein? Donc, Pour toi, c'est Grand Frénois. Bon, pour moi, c'est Grand Frénois. Alors voilà. Alors, toujours notre club, c'est le groupe B de PH. Notre ouais. club du coin qui vient d'accéder en PH, c'est Balagny. Balagny. Les malheurs de Balagny. Aurait pu titrer la presse dimanche. Les malheurs de Balagny. Ah ouais, c'est 96e minute. Mais sinon, il y a eu combien d'arrêts ? Un but contre son camp. Sinon, il y a eu combien de temps d'arrêt de jeu ? Louis Abalani, là, parce que 96e minute, ça fait quand même beaucoup. Hein. Ouais. Il y a eu beaucoup d'arrêt de jeu à Abalani ou quoi ? On n'y était pas, on n'avait pas le chronomètre en main, mais bon, c'est vrai. C'est que là, c'est le malheur. Hein. C'est le malheur. Et c'est le malheur pour le joueur qui met contre son camp. Voilà. C'est... Mais bon, on connaît, on a vu un petit peu Rachid dans la presse cette semaine. On connaît un petit peu Rachid, la pédagogie de Rachid, oui. que l'on salue. Il n'y a pas de souci, ils sont à remettre tout ça d'aplomb. Mais après, le joueur qui a marqué contre son camp, il ne faut pas lui en vouloir non plus. Ça peut arriver à n'importe qui. Si ça le piquait au vif, et si dimanche prochain, il était piqué au vif en disant « Attends, c'est une erreur, et moi je répare mon erreur, pourquoi pas ? Et puis j'en mets un, et deux, et trois. » Parce qu'il est capable, lui. Je le connais, il est capable de faire ça. De toute façon, ce serait la meilleure façon. Voilà. Après, c'est vrai que c'est dommage pour eux, 96 minutes, prendre un but comme ça. Surtout à l'extérieur, et après, on se dit dans la tête, il faut refaire la route derrière. Voilà. Et dire qu'on a perdu à quoi, 10 secondes ou une 30 secondes près. Alors, est-ce que, d'après toi, est-ce que Balagny aura à cœur de marquer ce premier match en PH chez eux et de gagner ? Oui. Ouais. Oui. Oui ? Oh oui. Oui ? Oh oui, oui, moi j'ai confiance en eux. Ouais. Je connais pas mal de joueurs à Balagny, je connais Rachid, ouais. Donc il va remotiver ses troupes, il va travailler à fond cette semaine. Non, puis de toute façon, Balagny, c'est vrai que là, c'est les malheurs. En plus, ouais. Donc ils affrontent Guise qui a fait un match nul contre Pont, qui a fait un match nul chez lui contre Pont. Ouais. Donc c'est possible pour Balagny, ça passe. Et surtout que là, ils ont perdu, mais quand même, on va il va y avoir des rentrées de joueurs, parce que cette semaine, tout le monde a dû être là, il a dû y avoir des entraînements et tout ça. Voilà, donc. Et puis ils ont quand même perdu contre Frénois, le grand B. Oui. Et tu sais qui joue à Frénois, j'ai appris ça la semaine dernière. Non. Puis Ndifi. Tu te rappelles plus une des filles d'attaquants de Sedan ? Ah oui, qui joue en B, oui, je sais qu'il a été recruté. Et ben, il a 37-38 ans maintenant. Voilà, et ben, il joue en B que le Frénois dans le Grand. Ah oui, effectivement. Quand on voit qu'il est déjà un bon joueur comme ça à Frénois le Grand, on peut dire derrière, Frénois le Grand, oui, c'est une belle équipe. Mais je pensais qu'il était recruté pour là, mais peut-être qu'il a commencé en A, qu'il a commencé en B avant de venir en A. Voilà. Ok. Ouais. Bon, allez, l'Inter, ben on va s'intéresser à l'Inter, on va s'intéresser, j'allais dire, on va pas cumuler en parlant d'une triste équipe de Mouilly, on va dire, allez, une équipe de Mouilly qui s'en va à Camombé qui a été battu 1-0 à Villebé. Bon, c'est pas, être battu à Villebé 1-0, bon, c'est rien de bien catastrophique. Non. Par contre, catastrophique, c'est du côté de Mouilly. C'est Mouilly, ça continue à être la dégringolade là. Ouais. Enfin, ça commence. Ça commence, tu veux dire que ça poursuit. Ça poursuit. Mais bon, alors là, est-ce que dimanche prochain, on attend tous avec impatience le résultat de Mouilly pour savoir si jamais c'était un accident
ou si au contraire il faut tirer le signal d'alarme. Bah, je me suis posé des questions. Moi, je vois Mouy quand même ramener un petit match nul de Cam. Non, je te crois pas. Si. Si, non, mais t'as vu Madame Irma ou non, quoi? Non, je vois un petit match nul. Ben moi, je veux bien t'entendre, mon cher Cédric, et puis j'espère que ça va se passer. J'aurai une autre version, parce que je les ai vus jouer, et j'aurai une autre version. D'accord. Parce que pour moi, c'est très, très faible. Ça n'a pas le niveau. Ça n'a pas le niveau. Mais bon, on va les excuser, c'est le premier match et tout. Oui, mais après, peut-être que ça va les piquer au bif aussi, peut-être qu'ils vont revenir, ouais. Je ne sais pas. À eux de démentir. C'est de tout cœur pour tout le travail qui est fait par l'équipe dirigeante, par Christophe Hulin, que Mouy redore son blason, puis il revient le beau Mouy, le champion de Coupe de l'Oise et tout ça qu'on a connu. C'est clair. Et puis il le mériterait tant, mais des fois, c'est plus facile à dire qu'à faire. Voilà. Ok, donc pour toi, Mouy peut accrocher un nul. Oui. Allez, Étampes, qui reçoit Liancourt. Étampes battu 5-0 à Villers-Bretonneux. Beaucoup ça. Hein. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Hein. Ils ont pris cher. Hein. Oh là 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 là. Est-ce qu'il aura envie de se racheter chez lui face à un Liancourt? Un Liancourt qui était, je rappelle, un Liancourt qui joue bien au ballon. Qui a une belle ligne d'attaque. Bon, je ne sais pas si Étampes nous regarde, mais au moins, ils vont le savoir s'il nous regarde. Ouais. Une belle ligne d'attaque. Et puis en défense, ça va mieux que l'année précédente. Eh ben moi je vais contredire lui. Tu vas contredire. Qu'est-ce que tu dois dire? Eh ben moi je peux te dire qu'à l'attaque c'est bien, ouais. Mais par contre à la défense c'est très faible. Allez encore. Moi je les ai vus jouer. Je les ai vus jouer dimanche moi. Mais moi je les ai vus contre Caufry en Coupe de France. Ouais. Eh ben je les ai trouvés très faibles à l'arrière. Ah bon? Je les ai trouvés très faibles. Moi je les ai pas trouvés excellents. Je te dis, je les ai trouvés mieux que l'année précédente. Eh ben moi je les ai trouvés faibles. Pour une équipe comme de Liancourt qui joue en interdistrict, moi je trouve que ça, à l'arrière ça n'a pas le niveau d'interdistrict. Ah non, à l'avant je veux bien. Ah mais Liancourt, toi vous voyez un petit peu hein, quand il y a des yeux qui sont sur le bord du terrain. Non, mais moi contre Caufry, il bat Caufry 3-1, mais je les ai pas trouvés extraordinaires. Il y a des yeux qui sont sur le bord du terrain, puis maintenant on a des yeux aussi qui sont sur les vidéos. Parce que quand on passe une petite vidéo, ben on peut s'apercevoir qui dure 10 minutes, un quart d'heure, on peut s'apercevoir que des fois il y a des phases de jeu ou bien il y a qui sont qu'on explique après. Bien sûr, il faut. Voilà. Donc pour toi, Liancourt, c'est faible derrière. C'est faible derrière. Par contre, c'est une très belle équipe devant, ils ont un beau milieu de terrain, mais par contre, pour moi, c'est faible. Derrière, c'est faible. D'accord. Et alors, ce match étant Liancourt, qu'est-ce que tu en penses dimanche prochain? On lit en cours, ils vont les gagner à Étampes. Ah bon? Oui, parce que Étampes, apparemment, c'est là. Parce que Villers-Bretonneux, c'est pas non plus une équipe. C'est pas un poteau de guerre. Voilà, donc ils ont pris 5 à Villers-Bretonneux. Je pense que Lyon-Cours, ils ont les armes pour aller gagner là-bas. Ouais. Mais par contre, je te le dis, le jour qu'ils vont taper les grosses équipes au haut du classement. Ça va être dur pour eux. Ça va être dur pour eux, ils ont à resserrer les boulons à l'arrière. Hein. Ils ont bien travaillé, hein, parce que moi ce que j'ai vu après, c'est vrai que c'était le premier match. Tout le monde n'était peut-être pas là. Tout le monde n'était pas là, c'est vrai que tout ça, mais ça va être dur. Hein, moi j'ai vu un mieux, mais bon, on verra bien. Ok, allez, Saint-Just qui reçoit Amiens-Montière. Oh bah mauvais départ, hein. Wow. Oh là là, là. Bon, cause qu'une bonne équipe de faire un jardin noir. Hein. Oui. Par contre de ce côté, Amiens-Montière l'emportait 2-1 à Amiens-FC. Ouais. Alors dimanche prochain, qu'est-ce qu'on pronostique? Qu'est-ce que tu pronostiques, mon cher Cédric, là, Saint-Just? Bérézina, pas Bérézina. Ils vont pas gagner. Ils vont pas gagner. Il me dit-il dans le creux de l'oreille, alors je le répète bien fort. Non, Cédric dit que Saint-Just ne doit pas gagner. Bon. Et même ça peut être dur cette année pour Saint-Just. Ça va être dur. Attends, Cédric. Saint-Just qui vient de connaître deux descentes. Hein. Oui, ben. Ne va pas porter malheur. Ben, je ne leur prête pas malheur, mais. J'ai rencontré quelqu'un de Saint-Just, j'ai parlé que. Qui m'a dit. Vu tous les départs qu'il y a eu à Saint-Just en chaussée, pas beaucoup d'arrivées, c'est beaucoup de jeunes qui jouent en équipe première. Je me pose quand même des questions. Ah ouais, alors l'avantage des jeunes équipes premières, c'est qu'ils sont tout feu tout flamme quand ça marche bien. Oui, voilà. Mais quand ils rencontrent des vieux briscards, l'autre il met le crampon, le gamin il a bobo, il revient pas. Et voilà, où il s'énerve. Ah oui, il s'énerve. Et il prend le carton. Voilà. Il va prendre la douche avant les autres. Et ben voilà, c'est ça le risque. C'est ça le risque d'avoir une équipe de jeunes. Voilà. Donc pour toi, Saint-Just, ça va dimanche prochain. Ça va pas rigoler du côté des vestiaires. Là-bas. Non, je pense pas. Non. Voilà. Et même, je pense que ça va pas rigoler beaucoup de la saison.
Bon, ben voilà, alors là... Ah non, non, mais je suis sincère et... Ah ben non, mais ici, de toute façon, ça n'engage que nous. Voilà, mais pour moi, mais je sens bien que pour Saint-Just, ça va être dur. Hein. Ça va être dur, ouais. Mais c'est pas le seul à le dire, hein. C'est pas ça à le dire. Bon, allez, ben voilà, on a fait le petit tour de nos équipes de Ligue. De Ligue, hein, impeccable. Voilà, donc impeccable, tu t'en es bien tiré, tu connais bien ton sujet. Oui. Comme d'habitude, je vais dire, mon cher Cédric. Hein. C'est une valeur sûre ici. Il hein. n'y a pas de problème. Il n'y a pas mieux.